Allez, allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Samos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, comme je vous avais dit, je vous avais promis, voilà, je vais essayer de postuler comme ça pour ceux qui ne se retrouvent pas, pour postuler à la bourse de Pretoria. Je vous rappelle encore que cette bourse, elle est vraiment, c'est la bourse la plus complète c'est la bourse la plus complète de l'Afrique, voilà. Donc vous devez faire tout possible pour pouvoir postuler à cette bourse, voilà. Donc n'oubliez pas, essayez de postuler un peu rapidement, voilà. Donc pour cette bourse, je vous rappelle que pour l'admission à l'université, c'est l'admission à l'université, le deadline, c'est-à-dire la date limite, c'est le 31 août, voilà. Et lorsque vous allez avoir l'admission, maintenant pour pouvoir postuler à la bourse, c'est jusqu'en octobre. Voilà, donc je vais vous montrer dans un premier temps comment est-ce que vous devez vous enregistrer sur le site avant de pouvoir postuler pour l'admission. Donc ici, vous voyez ici dans le premier temps, il y a des codes qui sont en bleu. Donc ces codes-là, vous les saisissez là, voilà, vous les saisissez là, et ensuite vous cliquez sur Create ID Application. Donc ici, on a deux fois M, on a M, on a X, on a V, on a 3 et on a P. Je crois que c'est ça. Donc après cela, vous cliquez sur Create ID, voilà. Donc ici, par exemple, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on crée les éléments. Comme ça, après cela, vous allez commencer à postuler pour l'admission. Voilà. Donc une fois que vous faites Create ID, voici ce qui s'affiche. Donc à partir de là, vous allez maintenant chercher à remplir les éléments qui sont là pour pouvoir créer votre ID code et pouvoir continuer. Voilà, donc ici par exemple, on va d'abord choisir si c'est la licence qu'on va faire ou bien le master ou pas, ou bien online. Voilà, il y a plusieurs éléments. Il y a online, il y a postgraduate, c'est-à-dire le master doctorat, il y a distance, voilà. Et puis il y a licence où vous devez aller de façon présentielle, voilà. C'est-à-dire vous serez là-bas même pour étudier, et ça, ce sera en ligne, et ça, vous êtes là-bas aussi, et ça aussi, c'est à distance. Voilà, donc on va choisir comme si nous allons là-bas pour étudier, et nous allons étudier pour quelle année? Pour l'année 2021, voilà, 2021-2022, donc 2021 ici. Et ici, par exemple, comme ça, qu'est-ce qu'il y a? On va prendre ici le student number. Vous n'en avez pas, voilà. Pourquoi vous n'en avez pas? Parce que vous n'êtes pas encore dans leur établissement pour pouvoir l'avoir. Donc c'est pas la peine de remplir ici. Donc ici, le last name, je vais prendre ça. Bon, je vais mettre des noms un peu plus, voilà. Et le first name, ok. Ici, c'est pas la peine. Si vous voulez, vous remplissez, voilà, le nom du lieu, ça va. Ok, date de naissance, étant donné que je pars pour la licence, donc je vais mettre, je suis né en 2000, en 2004, voilà. Et le plus important des éléments, c'est quoi? C'est l'adresse mail. L'adresse mail, c'est quoi? Mon adresse mail, ça c'est l'adresse qui est créée maintenant pour vous montrer comment est-ce qu'on remplit les bourses. Voilà, donc mon bourse arrobase gmail.com. Donc je vous rappelle, ça c'est comment est-ce que vous devez vous inscrire sur le site avant de commencer à postuler. Donc ici, South Africa, parce que vous n'êtes pas sud-africain, donc vous choisissez ce qu'il y a là, voilà. Et à partir de là, voilà, vous allez mettre maintenant votre numéro de passeport ici. Donc votre numéro de passeport, vous mettez ça là. Maintenant, vous allez cliquer sur OK. OK, donc une fois que vous cliquez sur OK, voici ce qui vient, tout ce qui est là. Donc vérifiez très bien si tout est OK, voilà. Et vous allez commencer à pouvoir valider votre email pour pouvoir poursuivre.
Donc, une fois que c'est bon, vous cliquez sur continue. Voilà, pour pouvoir voir ce qu'ils vont vous demander. Voilà. Donc, ici, on dit quoi? An email has been successfully sent on browser. Please make a note application ID once the email has been received. You will need this for future access for to the system. Donc, ici, ils ont envoyé un mail, voilà, dans notre boîte email. Donc, on va aller voir et essayer de valider notre, notre email. Donc, ici, vous allez cliquer sur continue. Voilà, donc une fois que vous regardez dans votre email, vous allez voir les deux éléments qui sont là pour pouvoir valider, ou bien vous allez venir sur authentification de My Application ID. Donc on va aller rapidement dans notre mail pour voir un peu ce qu'ils nous ont envoyé pour pouvoir. Donc ici dans notre boîte mail, je vais aller ici, voilà, dans ma boîte mail et voir le message que nous avons reçu. Voilà. Donc si vous voyez, si vous regardez dans votre boîte mail que le message n'est pas là, regardez plutôt dans spam. Voilà, ici on a reçu le message qui est là. Donc ici je viens là. Voilà, donc les éléments que vous devez enregistrer, c'est quoi? Il y a cet élément là, l'élément qui est là. Voilà, cet élément là, je vais essayer de, voilà, celui là il y a ce qui est ici, application ID, voilà, et il y a notre password qui est là. Comprenez, voilà. Donc ici on va essayer de faire quoi, de copier ce qui est là. On va copier un instant que je copie. Je vais copier ce qui est là parce que vous allez avoir besoin de cela. Je vais copier et ici voilà, vous allez confirmer en cliquant sur ce qui est là. Vous cliquez là, ça vous envoie directement sur le site pour que vous puissiez continuer. Donc une fois que vous avez le mail, voilà, vous ce que vous allez retenir, c'est quoi? C'est ce qui est là et puis ce qui est là aussi, voilà. Donc le ID application ici et puis le password. Donc vous enregistrez cela et une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici pour pouvoir confirmer votre adresse email. Vous cliquez là, voilà, et lorsque vous cliquez là, vous allez voir que ça va vous envoyer directement sur la plateforme qui est là. Voilà, ça vous envoie directement ici. Et une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici authentification de My Application ID ici. Voilà, vous cliquez là. Ok, donc ici l'adresse mail, vous mettez votre adresse mail, voilà, et l'identification ID, vous mettez cela. Vous allez venir voir l'identification ID qui est là, ce qui est là. Voilà, vous pouvez copier si vous voulez. Voilà, comme ça. Et une fois que vous copiez, on vient là et on colle là. Voilà, et ici, vous mettez maintenant le mot de passe. Le mot de passe aussi, vous pouvez copier ici, ce qui est là. Voilà, je copie ça aussi. Et je viens mettre là. Voilà, une fois que c'est fait, je clique sur OK. Voilà, et puis arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez changer, vous mettez votre mot de passe. Voilà, vous créez votre mot de passe et c'est tout. You must now change your password. Please enter a new password, confirm your entry and then click continue. Donc ici, on va créer notre password ici. Donc je vais prendre une lettre majuscule au début. Et je confirme. Ok, maintenant que c'est confirmé, je peux cliquer sur continue pour voir ce que ça donne. Ok, your password has been successfully changed. Please OK to transfer application summary page. Donc je vais cliquer maintenant sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, vous regardez juste là, ça va faire des trucs et puis voilà. Donc voici un peu ce que vous avez. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez sur maintenant sur Edit. Voilà. Et quand vous cliquez sur Edit, à nous aller et on y va maintenant pour chercher l'admission. Voilà. Donc je vais couper là. Je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure
vous montrer comment est-ce que vous allez remplir pour faire l'admission, pour avoir l'admission dans cette université. Ok, donc les gars, à plus et puis à tout à l'heure.